Est-il possible que proposer des choix à son enfant soit anxiogène? Comment faire pour lui proposer des choix qui vont favoriser le développement de son autonomie? La famille tout simplement. <laughs> le podcast pour les parents de jeunes enfants. Bienvenue dans cet espace pour toi. Toi qui souhaites donner le meilleur à ton enfant, toi qui te questionnes, qui désires peut-être t'ouvrir à de nouvelles solutions, qui cherche à faire du sens dans ta façon d'être le parent fidèle à tes valeurs. Bienvenue. Bienvenue et merci d'être là dans ce premier épisode de la série 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Alors, cet épisode porte sur les choix qu'on offre à nos enfants. Hein, pourquoi faire des choix qui peuvent être une source d'anxiété? Comment ça se passe? Comment lui apprendre à faire des choix qui correspondent à son âge, où il est rendu, à ses capacités? Et c'est quoi les conditions qui est, qui est important de respecter pour faire en sorte que le choix qu'on propose à son enfant lui permette de vivre plus de sécurité et qu'il ne soit pas trop anxiogène? Alors, ben, si tu veux euh, avant d'aller plus loin, si tu veux profiter des prochains épisodes, ben, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour que tu sois informé des prochains épisodes. Je sais pas pour toi, mais il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie que des moments de transition où j'avais euh, comme plusieurs options devant moi. Tu sais, comme par exemple, ben, moi, étant donné mon âge. Euh, j'ai choisi de prendre ma retraite l'année passée, cet été en fait, de, de l'université où je, je travaillais, et euh, j'avais plein d'options devant moi. Je pouvais partir en voyage, je pouvais euh, choisir de, de déménager dans une nouvelle maison, une nouvelle région. Je, je pouvais choisir de démarrer un nouveau projet professionnel, et c'était pas évident. Vraiment, c'était même préoccupant d'avoir le flou devant les yeux, de, de dire voyons, c'est quoi la meilleure solution, qu'est-ce qui est possible pour moi, si je fais tel choix, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est quoi les conséquences. Je suppose si ça t'est déjà arrivé, toi aussi. Des fois, quand il y a trop d'options, trop de possibilités, ben, c'est inquiétant, c'est paniquant. Hein? Ben, ça demande de savoir ce que je veux, ça demande de savoir euh, c'est quoi qui me correspond, c'est quoi où je suis rendue dans ma vie. Ça demande de réfléchir, de regarder les pour, les contre. Je sais pas si toi tu fais ça comme ça, mais c'est vraiment euh, préoccupant. Euh, bon, je, on fait pas toute de l'anxiété pour ça, mais c'est un défi de faire des choix. Puis faire des choix, c'est aussi avoir des deuils à vivre, hein. Ben, parce que je choisis, par exemple, de vendre ma maison, ben c'est de faire le deuil de, de cette maison, de ce style de vie qu'elle m'apportait. Si je choisis de partir en voyage, puis que je choisis tel pays plutôt que tel autre pays, ben je fais le deuil de. Mon rêve d'aller en Inde, mais finalement, je choisis d'aller en Australie parce que j'ai l'occasion d'aller en Australie. Donc, chaque choix implique de faire des deuils aussi, de, de laisser aller des options où, des fois, peut-être, tout n'est pas possible. Ne serait-ce que, par exemple, de faire le choix d'avoir une grande famille ou d'avoir juste un enfant. C'est des, des choix qui, qui amènent des deuils ou qui amènent quelque chose d'irréversible. Donc faire des choix, c'est pas si simple que ça. On peut offrir ça aux enfants en se disant ben voyons y a rien là tu sais. Mais euh, c'est ça, ça demande de, de réfléchir. Ça, ça peut avoir aussi euh, généré la peur de se tromper, est-ce que je vais faire des erreurs, de penser aux conséquences de mes choix. C'est sûr qu'il y a des choix qui sont plus faciles à assumer il y a des choix plus banals, il y a des choix plus moins engageants. Mais c'est ça, comment je fais C'est comme par exemple, mon enfant se réveille la nuit. Est-ce que je choisis de le laisser pleurer ou je me lève à toutes les fois qu'il pleure C'est sûr que c'est un petit choix, mais dans, moi, dans ma tête de parent, ça se peut que je vois toutes les conséquences si je laisse pleurer mon enfant, je lis à l'extérieur que c'est pas bon de laisser pleurer l'enfant, ou je lis qu'il faut surtout pas le laisser dormir, euh, il faut pas le laisser dormir dans mon lit, ou il y a plein d'informations aussi qui viennent de l'extérieur, puis qui viennent euh, brouiller les cartes. Quand je me mets à lire euh, les livres sur l'éducation des enfants, ou que je recherchais des des informations sur euh, les sites internet euh, mais juste comme par exemple l'allaitement est-ce que je l'allaite euh, tant qu'il veut est-ce que je l'allaite au besoin est-ce que je lui donne à boire euh, toutes les fois qu'il se réveille la nuit comme plein 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 de petites décisions même s'ils sont simples mais moi je sais comme parent qu'elles ont des conséquences et je sais pas trop comment faire pour Trouver la bonne réponse qui me correspond à moi. Il y a tellement quand, quand on est parent, il y a tellement de sollicitations à gauche, à droite. Tout le monde veut nous aider. Hmm, c'est où les bonnes réponses Et c'est toutes sortes de situations de choix où j'ai à prendre, à prendre mes décisions. Est-ce que je me fie sur les autres Est-ce que je me fie sur les conseils Faire des choix, ben c'est un apprentissage. Comment je vais faire pour choisir? Qu'est-ce que ça demande en dedans de moi de faire des choix? Et ça fait partie de notre rôle de parent d'apprendre à l'enfant à faire des choix, d'apprendre à réfléchir. Et lui donner les capacités ou les conditions pour qu'il puisse faire de bons choix, mais c'est de l'accompagner dans son autonomie. Mais là, quel choix lui offrir hein? et Quel choix lui présenter pour que ça soit pas anxiogène parce que c'est trop gros pour lui, ou pour que ça lui permette de développer son sens des responsabilités puis la capacité d'assumer qui qui il est et ce qu'il veut. D'abord, les choix qui sont anxiogènes pour les enfants. Mais premièrement, c'est quand il y a trop d'options. Avoir trop de possibilités de choisir, c'est vraiment anxiogène. Tu sais, là, on s'en va chez dans un magasin de jouets et là, j'ai à choisir le jouet que je veux avoir pour mon anniversaire. C'est vraiment paniquant. Oh mon Dieu, est-ce que je veux un livre? Oh non, je voudrais des Legos. Oh, peut-être que je voudrais ce juste. Oh, la belle poupée. Oh mon Dieu, je vous la voudrais elle aussi. Oh, ça, c'est terrible, d'exposer. De, je dis terrible dans le sens que c'est vraiment anxiogène pour un enfant d'avoir tellement de stimulation, de plus savoir où donner de la tête, d'avoir trop d'options. J'arrive n'arrive pas à choisir. Moi, je veux tout, en fait, comme enfant. Je veux tout. Alors, ça, c'est un premier principe. C'est de faire en sorte que l'enfant ne soit pas exposé à une multitude d'options. C'est un premier principe. Un deuxième principe, c'est de lui offrir des choix qui correspondent à son stade de développement. Par exemple, si ton enfant a juste deux, trois ans, quatre ans, Bien, on ne va pas lui demander à quelle heure il veut se coucher ou on ne va pas le laisser se, se coucher à l'heure qu'il veut en fonction de son choix, lui, parce qu'il n'a pas la responsabilité, la capacité de réfléchir sur les conséquences de se coucher à 10 heures du soir ou qu'est-ce qui peut y arriver le lendemain, de connaître les besoins. Il n'a pas les aptitudes et les informations et la capacité analytique de faire le bon choix. Un deuxième exemple, on ne peut pas non plus demander à un enfant de 6-7 ans qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Ça se peut qu'à l'occasion, la journée de son anniversaire ou un, un samedi soir spécial, on lui demande oh, « envie de manger euh, de la pizza ou des pâtes? » On peut lui offrir deux choix, puis à ce moment-là, il y a la possibilité de le faire. Mais ce n'est pas à un enfant de 6-7 ans de déterminer les repas familiale de toute la semaine parce qu'il y a des besoins à rencontrer, il y a des principes alimentaires à respecter et c'est des choix qui ne qui correspondent pas à son âge. Une façon pour le parent de déterminer si le choix correspond à son niveau d'âge, c'est la capacité de l'enfant d'être capable d'être lié à ses besoins. Bon, c'est sûr qu'un enfant va exprimer ses besoins, mais des fois, il y a les désirs aussi, il y a, ou ce qu'on peut dire, les caprices qui vont venir teinter un peu les, les sollicitations, les demandes de ton enfant. Fait à ce moment-là, c'est d'être à l'écoute de ton enfant pour essayer de découvrir est-ce que c'est un réel besoin ou bien c'est plus un caprice ou un désir. Comme par exemple... Je ne sais pas euh, d'avoir un morceau de gâteau juste avant d'aller se coucher, mais ça se peut que ce soit un caprice ou un désir, mais ça ne correspond pas réellement à un besoin d'un enfant de 6, 7 ans ou de 3 ans ou de 4 ans d'avoir un morceau de gâteau juste avant d'aller se coucher. Un troisième principe qui peut aider le parent à faire ses choix, à accompagner son enfant dans ses choix, c'est vraiment d'être à l'écoute de ton enfant, être à l'écoute en fonction de ce qui t'exprime comme besoin, comme intérêt, comme goût. Je pense à une petite famille que je connais très bien, avec trois enfants, et les trois enfants dormaient dans la même chambre. Et vers l'âge de 6-7 ans, l'aîné a demandé s'il pouvait aller dormir au sous-sol parce que c'était le seul espace où il pouvait avoir sa chambre à lui. Fait que les parents ont aménagé une chambre dans le sous-sol. Et là, l'aîné est allé dormir une première nuit. Puis wow, la deuxième nuit, il a commencé à avoir un peu peur d'être tout seul en bas. Et puis, ce qui fait que l'enfant a fait un choix il a réalisé les conséquences de son choix puis elles ont été les conséquences ont été accompagnées par le parent et finalement en parlant là, les deux petites sœurs sont allées dormir avec lui en bas et après ça lui est revenu monter en haut mais la chambre est toujours restée sa chambre et progressivement mais ben, ils ont aménagé une chambre pour les deux enfants aînés en bas dans le sous-sol et tout le monde a eu sa chambre et ça s'est placé progressivement avec l'écoute de ce que l'enfant nommait. Donc c'est parti d'un premier choix de cet aîné, de cette famille qui voulait avoir sa chambre à lui et il a vécu les conséquences de son choix, puis il a été accompagné, et tout ça a été d'une façon qui a permis le développement de l'autonomie, hein, de réaliser que quand je choisis quelque chose, ça se peut que ça se mette pas en place tout de suite, la première, la bonne façon de de saisir que j'ai besoin d'apprendre à, à assumer plus de responsabilités, d'être toute seule dans le sous-sol où j'exprime ma peur et tout ça. Donc ça a été un bel accompagnement pour aller vers plus de maturité pour cette année et de réaménager les besoins de dodo de chaque membre de cette famille c'est un exemple d'écoutant d'écouter ce que l'enfant nomme au fur et à mesure de son développement et de où il est rendu dans dans sa maturité. J'aimerais maintenant porter attention à quelque chose que j'observe. Dans des, des fois des milieux de garde auprès des, des professionnels de l'éducation, mais aussi auprès des parents, qui est le, la, la stratégie du faux choix hein? On va dire bon, quand les, pour éviter une crise avec un enfant, on va lui faire, on va lui présenter un faux choix. Ça c'est style l'enfant il veut pas mettre ses mitaines pour aller jouer dehors, il est en pleurs, il fait une crise, mais là on va lui présenter. Veux-tu mettre tes mitaines jaunes ou tes mitaines bleues dans le fond, il n'y a pas vraiment de choix parce qu'il faut qu'il mette ses mitaines, même s'il n'a a pas envie. Et on lui présente deux, deux options, mais qui amènent au même résultat, c'est que tu vas mettre tes mitaines. Ou bien l'enfant qui, qui, la petite fille qui veut absolument mettre une robe pour aller à la garderie, alors que c'est pas approprié pour les activités qu'ils vont faire à la garderie la journée même. Bon, veux-tu mettre ce pantalon bleu là ou tu veux mettre un pantalon rose bon. Moi, je c'est une stratégie qui peut être efficace, qui peut faire en sorte que l'enfant va collaborer un petit peu plus. C'est une stratégie que j'encourage pas à utiliser nécessairement parce que je vois que c'est comme une forme de manipulation auprès de l'enfant. comme tu sais, à un moment donné, l'enfant comprend là. Écoute, je, tu me dis que j'ai le choix mais j'ai pas vraiment le choix. Alors j'encourage plus à aller directement dans quelque chose de plus ouvert et de plus transparent. En nommant à votre enfant par exemple celui qui veut pas mettre ses mitaines, mais je regrette, mais tu dois mettre des mitaines parce qu'il fait froid dehors et tes mains vont geler. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire Mais on va, on va faire un petit jeu. Je vais faire, euh, je vais peut-être faire des marionnettes avec mes mitaines pour faire une mise en scène pour l'amener à les prendre. Ou bien je vais les apporter avec moi. Et quand l'enfant, je vais voir qu'il a les mains un peu plus froides, je vais lui mettre ses mitaines. Donc, essayez de négocier une entente qui va être gagnante-gagnante. Gagnant-gagnant. Une autre situation, ça peut être un, un enfant qui, qui veut aller à l'école avec ses souliers alors que il commence à avoir il pleut cette journée-là que ça serait préférable de mettre ses bottes ben OK d'accord on va mettre tu vas mettre tes bottes mais je vais mettre tes souliers dans un sac comme ça ben si tu veux mettre tes souliers plus tard dans la journée mais ben, tu les auras donc toi tu gagnes et moi je gagne parce que je suis pas d'accord pour que tu partes en souliers alors qu'il pleut dehors donc c'est toujours d'essayer de trouver une solution qui fait que moi je suis euh, je suis comme gagnante dans l'approche que je veux privilégier avec l'enfant, de mettre ses mitaines l'hiver, de mettre des bottes quand il pleut, et que l'enfant gagne aussi, parce que sinon, c'est comme un, un, une, une situation de conflit où qui va exercer son pouvoir sur l'autre. L'approche gagnant-gagnant, c'est vraiment de permettre que moi, je partage, je fais un petit bout de chemin dans ta direction et toi, tu fais un petit bout de chemin dans la mienne. Alors en résumé, dans, dans cet épisode, on a pu voir comment le parent est vraiment le premier responsable des besoins de son enfant, puis qu'il il peut permettre des choix, mais en fonction du besoin de l'enfant. Et qu'une façon de ne pas rendre la possibilité de choisir anxiogène, c'est de ne pas donner trop de responsabilités à l'enfant. Mais ne pas lui donner trop d'options non plus. Quand il y a trop de possibilités, ça devient un peu étourdissant d'avoir à choisir. L'autre stratégie aussi qui est intéressante, c'est d'être à l'écoute de son enfant et de l'accompagner dans les choix qu'il fait pour le faire réfléchir aux conséquences de ses choix, de le faire voir comment c'est euh, relié à son intérêt ou à son besoin, comme l'exemple de celui qui a voulu avoir sa chambre, ben, on l'a accompagné par l'écoute de, de ce qu'il avait nommé et d'y aller progressivement. C'est en fonction de ce qu'on observe chez notre enfant, c'est important également pour euh, permettre à l'autonomie de se développer sans être dans des conditions qui peuvent être étourdissantes, préoccupantes, anxiogènes pour l'enfant. La stratégie gagnant-gagnant. Plutôt que de faire des faux choix, mais c'est également une façon plus peut-être transparente qui fait honneur à l'intelligence de l'enfant au lieu de lui faire croire qu'il y a des choix mais que finalement il n'y en a pas puis que lui il se rend compte au bout du compte qui s'est fait avoir. <laughs> Alors, dans le prochain épisode de cette série sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant, ben, on va regarder euh, les rythmes de l'enfant dans les transitions. Es le fichu, dépêche-toi, dépêche-toi, allons, il faut aller vite là. Alors, ça va être le sujet du prochain épisode. Okay. Alors, si euh, le contenu de ce podcast ben, a fait du sens pour toi, puis euh, que tu as trouvé de la valeur, ben, je t'invite à le partager. Et comme ça, peut-être tu vas pouvoir aider d'autres parents et tu vas me soutenir dans ma mission qui est d'accompagner les parents. Alors je te remercie à l'avance, je te remercie d'être à l'écoute et j'espère te retrouver dans les prochains épisodes de cette série. Prends bien soin de toi, ton enfant a besoin de toi. Au plaisir!